Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve et je suis hyper contente de vous retrouver, pas du tout la même chose que la dernière fois, malgré que je sois toujours no stability, hein. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez de quoi je parle, mais aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver puisque ma mère est en train de tondre la pelouse. Alors voilà, je suis désolée mais... Je vais peut-être revenir après du coup. Bon, c'est pas grave, vous allez entendre peut-être le bruit de la tondeuse, je n'en sais rien. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment trop hâte de vous raconter ce qui s'est passé. Du coup, l'update de ce trépied. Puisque du coup, donc quand je vous ai filmé la vidéo précédente, on était jeudi et nous sommes actuellement samedi. En sachant que Amazon m'avait dit que j'avais jusque donc le jeudi pour recevoir mon trépied et que je ne l'ai pas reçu. Donc du coup, le jeudi soir, je décide de commander sur la Fnac mon petit trépied puisque j'avais trouvé quasiment le même sur la Fnac et quasiment au même prix aussi. Donc je me suis dit allez, je vais commander mon trépied, c'est pas grave et tout ça. Au moment de payer, la Fnac me refuse mon paiement. Enfin, me refuse pas le paiement carrément, genre juste la page est en mode erreur, les techniciens sont en train de faire quelque chose. Mais moi, je m'en fiche en fait, je veux mon trépied. J'étais vraiment... c'est pas possible en fait, j'aurais jamais ce trépied. Donc du coup, je me dis bon, bah j'attends demain, c'est pas grave. De toute façon, je peux aller le chercher une heure après mon achat et tout ça. Donc c'est pas très grave et tout. Voilà quoi. Du coup, j'attends le lendemain. Le lendemain, je me réveille, je vais quand même voir sur Amazon, je me dis peut-être que éventuellement, soit je me fais rembourser, soit peut-être le colis il a changé. Nova. Peut-être que le colis va effectivement arriver, du coup je regarde quand même et là en fait ils me disent que mon colis a changé d'endroit. Donc trop bien en fait, ça veut dire qu'il va peut-être arriver. Du coup je me dis bon, on va rien faire au niveau de la Fnac, on attend jusque samedi. Jusque samedi, et si samedi y a rien, lundi je vais chercher mon trépied à la Fnac, j'en ai marre. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui nous sommes donc samedi, il est 9h ou 10h, je n'en sais rien, je ne connais toujours pas les horaires, mais en tout cas, le livreur a sonné à 8h30, mais les gars je suis si contente, et du coup bah je vais vous montrer mon petit trépied, voilà c'est parti, c'est parti. Moi je n'ai pas ouvert le colis, je vous ai attendu. En plus de ça j'ai reçu un autre colis et je vais vous faire une vidéo dessus. Donc je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais voilà, c'est parti. Je pense vraiment qu'il y a eu une bonne étoile qui a fait que je n'ai pas pu commander sur la Fnac, parce que sinon je me serais retrouvée avec deux trépieds pour le prix de deux en fait, genre pas pour le prix d'un, non non. Et du coup je suis plutôt contente d'avoir pas pu commander sur la Fnac et d'avoir reçu mon trépied, heureusement. Je suis trop contente. J'avais oublié de vous dire quelque chose, du coup c'est après tout mon déballage là quand je vous parle, mais il fallait trop que je vous dise quelque chose. En fait le livreur il est arrivé à 8h30, sauf que moi et ma mère on dormait à 8h30. Et du coup moi j'entends la sonnette, mais oh là 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 là, je me suis dépêchée, j'ai couru. Ma mère pareil, elle a couru parce qu'en fait elle en a marre de m'entendre dire que je veux mon trépied. Du coup elle a couru aussi, sauf que moi je dors en t-shirt culotte. Moi j'allais pas sortir comme ça, ma mère elle avait un pantalon, du coup hop elle est sortie. Et du coup j'ai eu mon colis. Bon alors du coup j'ai mis le colis sur mon lit parce qu'il est tellement énorme, genre regardez par rapport à la taille de ma main, c'est énorme. Du coup j'ai mis un masque ici parce qu'il y a mon adresse, du coup voilà. Mais du coup ça c'est un colis Amazon que je vous ferai une vidéo dessus, donc il n'y a pas de souci. En plus de ça maintenant que j'ai mon trépied, voilà quoi. Mais par contre ce colis il est si lourd, je vous jure, je sais pas ce qu'il y a, il y a du plomb à l'intérieur, j'en sais rien, mais waouh c'est énorme. Et du coup bah c'est parti pour l'unboxing, et pas du tout ça on va pas l'ouvrir hein, vous inquiétez pas. En fait du coup on est toujours sur la même galère en fait de comment je filme en fait, puisque bah je n'ai pas de trépied encore. Mais bon on va faire comme ça hein, c'est pas grave. Donc voilà le colis et je vais essayer de l'ouvrir. On prend un cutter.
Ok, alors comme d'habitude, Amazon et ses cartons immenses, hein, voilà, donc mon trépied est juste en bas et ils ont mis du papier de partout. Voilà, donc ça servait à rien de faire un aussi gros carton, mais bon. Waouh, mais vraiment il est super lourd, je vous jure, il a l'air d'hyper bonne qualité. Donc c'est un ami qui m'a conseillé cette marque, Manfrotto, voilà. Et c'est celui qui est à 100€ je crois sur le site de la marque, mais Amazon ils le vendent 75€. Moi je vous le dis, c'est la galère hein, de ne pas avoir de trépied, hein. Là je peux pas m'asseoir. Comment je fais pour vous montrer? Alors là où c'est comme ceci, vraiment trop bonne qualité, j'adore. Franchement elle est trop bien, elle est super grosse et tout. Donc, hop! Waouh, mais c'est énorme! Genre là, je vais pouvoir mettre. Oh là 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 là! Mais regardez-moi ça! C'est fou! Waouh! Bon, alors là. Là, on a des petits embouts. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais voilà. Et du coup, le trépied se trouve comme ceci. Par contre, je ne sais pas comment on fait pour l'ouvrir. Je suis perdue les gars. Vraiment là je... Waouh. Ah j'ai réussi. Mais comment qu'on fait? Et les gars, je vous jure, je comprends rien. J'ai l'impression qu'il faut avoir un bac plus 1000. C'est fou. Je comprends rien. Ah, mais... En fait, il y a un petit cache pour le truc. C'est pour ça qu'on voyait pas la vis. Ok. D'accord, bon. Super. Mais ensuite, moi, je comprends pas parce que là, ils disent que là, on peut... Là, ils disent qu'on peut visser, dévisser. Je suis désolée, mais... J'ai pas envie de forcer, mais les gars, je ne peux pas le visser ou le dévisser. Ah si ! Ah bah non. En fait, je sais pas si ce que je fais, c'est bien. Je suis pas sûre du délire, là. Ah ! Il y a plein de graisse. Parce que du coup, j'ai une vis et j'ai ça. Donc là... Et ça ne l'a pas bloqué. Comment est-ce qu'on fait pour le bloquer? J'en fous de partout. Non mais je... Je sais pas si vous comprenez le délire quoi. Mais c'est assez compliqué à comprendre. Là c'est bien, je visse, je dévisse. Mais à quoi ça sert? Cliquez-moi, à quoi ça sert? Parce que non, hein, ça ne sert pas. Hein. Moi je suis désolée. Hein. Bah non, ça bouge toujours. Moi j'y comprends rien. Je viens de comprendre. Je suis pas sûre, hein. On va tenter. Hein. Je crois que ce truc, il est censé aller. Comment je fais? Je comprends pas tout, hein. Oh, je vais m'attacher les cheveux là, j'en peux plus. C'est parti, là, on a la coiffure de la bonne tante. Ah, mais c'est ça! Voilà, on place bien. Hop, et on fixe le tout. Et là. Ah, mais voilà, c'est ça! Ok. Voilà, c'est bon. Il est bien dans le bon sens maintenant. Et du coup, ça bouge plus. Voilà, parfait. Par contre, ça, ok. Tout va bien. Et du coup, ça, on peut aussi le monter. Voilà. Hop. Et après, on peut le fixer comme ça. Je sais pas dans quel sens c'est. Mais voilà, du coup j'ai mon trépied, ouh, trop bien. Bah du coup maintenant concrètement le but c'est de vous faire un maximum de vidéos aujourd'hui, demain, j'en sais rien de quand est-ce que ce sera. Mais je vous jure, j'ai tellement d'idées là que c'est incroyable, vraiment je suis trop contente, vraiment je... Waouh, trop contente. Donc dites-moi dans les commentaires toutes vos idées de vidéos. Là, moi c'est parti, hein. Moi là je ne vais faire que filmer des vidéos, donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, je note tout,
Et voilà. En fait, je m'étais dit que j'allais vous faire une petite update de toute ma vie et tout ça, mais du coup, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Hein. Là, je pense que je vais tout simplement vous dire que je vais enfin pouvoir refilmer. Et du coup, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un petit peu plus stable. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous fais de gros bisous!